Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 73e épisode. Alors dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les dernières modifications que j'ai faites sur le site postal-code.fr parce que j'ai fait quelques modifications. J'ai fait des modifications pour un petit peu optimiser le chargement des pages. Donc il faut savoir que quand on va sur le site, je vais ouvrir rapidement Postal Code. Quand on va sur le site postal-code.fr, donc ça fait une recherche sur l'adresse IP pour afficher les communes proches de chez nous et ça affiche en dessous les communes les plus peuplées. Donc pour afficher les communes les plus peuplées, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je faisais une requête en base de données et ensuite je faisais un petit traitement, une boucle pour afficher tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très optimisé de faire comme ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'un visiteur va venir sur la page d'accueil, faire une requête en base et ensuite faire ce traitement en boucle. C'est pas très utile parce que les communes les plus peuplées, elles changent rarement et surtout c'est moi qui contrôle, c'est moi que je vais être au courant s'il y a une modification qui est faite en base sur les populations, etc. vu que c'est moi qui mets à jour les données. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code HTML qui avait été généré, puis j'ai mis tout ça en dur dans le chargement de la page d'accueil. Et comme ça, bah, il n'y a plus de requête en base de données qui est faite pour cet affichage des communes les plus peuplées, et puis j'ai plus cette boucle qui prenait assez de temps. Donc j'ai fait cette optimisation-là. C'est pas la seule chose que j'ai changée dans Postal Code. J'ai aussi changé le titre de mes pages. Donc par exemple, si je vais sur Arcueil, ici, donc j'ai Arcueil-code postal de point, le code postal d'Arcueil 94110 et ensuite tiret postal code. Alors si je vais faire une requête dans Google, on va voir les deux formats. Le format précédent, donc par exemple ce qu'on voit ici, donc avec le nom de la ville et entre parenthèses le code postal et ensuite le nom postal code. Et le nouveau format, donc le nom de la ville, code postal, deux points, le code postal et postal code. Alors pourquoi j'ai fait ces modifications? Parce que je me suis rendu compte que j'étais très loin dans les résultats de recherche et j'avais très peu de visiteurs. Alors j'ai essayé de faire un petit peu de promotion via 365 jours, via Twitter, également avec les partages Facebook. Mais le trafic est quand même très faible. Donc j'ai essayé d'optimiser un petit peu tout le point de vue référencement et notamment en changeant cette balise titre. Alors pour faire ça, pour illustrer ça, je vais reprendre, je vais faire quelques petits tests par exemple avec Monastia d'Oresa, cette ville, et je vais faire la recherche code postal Monastia d'Oresa. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je sois dans les premiers résultats pour cette recherche. Mais ce qu'on voit, c'est que j'apparais pas sur la première page. Donc, j'apparais pas non plus sur la. Ah, j'apparais en fin de deuxième page. C'est pas trop mal pour un site qui est récent. Mais il faut savoir que dès qu'on n'est pas sur la première page, c'est très peu de possibilités qu'un visiteur clique sur notre site. Donc j'ai changé ici l'affichage pour afficher code postal et ensuite postal code et on va voir que ça a un impact sur le classement. Donc je vais prendre ici le nom d'une autre ville. Donc j'en avais trouvé une tout à l'heure, c'était Casalta. Donc Casalta c'est une commune française qui est située en Corse. Et donc pour celle-ci le titre est différent. J'ai affiché Casalta, code postal et ensuite le numéro du code postal et ensuite le titre du site postal code. Et donc là j'apparais sur la première page alors que fondamentalement c'est pas en jouant sur le nom d'une ville qu'on va changer de page dans les résultats de recherche. C'est plutôt en changeant le titre complet et ce qui est affiché. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et là j'apparais, bon, pas dans les premiers résultats, mais tout de même sur la première page avec le mot-clé recherché, les mots-clés code postal Casalta. Et ce qui sera intéressant ici, c'est de faire plusieurs recherches. Donc je vais d'abord mettre ça de côté
pour la recherche code postal Casalta. Donc je vais copier ça ici. Parce que ça peut être intéressant de faire des petits comparatifs. Donc code postal Casalta, je vais copier tous les résultats jusqu'au mien. Voilà, je vais réduire un petit peu la taille. Et je vais faire ça pour plusieurs termes recherchés. Je vais également noter ma position. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc pour code postal Casalta, je suis 8e. Donc ensuite, ce que je vais rechercher, c'est pour postal code Casalta. Postal code Casalta. Donc là, j'ai juste inversé le code postal, juste inversé deux termes, et là cette fois-ci j'apparais en deuxième position. Alors pourquoi? Parce que généralement les personnes cherchent code postal et la plupart des sites ont optimisé leur recherche, leur texte et leur référencement pour apparaître avec code postal. Et dans Google, l'ordre des mots de recherche ont un impact, et l'ordre des mots qui sont affichés dans la page ont également un impact. C'est-à-dire que code postal est différent de postal code. Moi, mon site s'appelle Postal Code et c'est pour ça qu'il apparaît ici en deuxième position pour la recherche Postal Code Casalta. Donc, je vais noter ici la recherche. Hop. La position. Donc là, je suis deuxième. Et je vais noter le site qui est avant moi et le mien. Et maintenant, je vais rechercher pour Casalta code postal. Donc là, Casalta code postal, je reste avec code postal, donc il y a plus de concurrence. Mais cette fois-ci, le nom de la ville est avant code postal. Et donc là, où est-ce que j'apparais? J'apparais ici, en quatrième position. Donc on voit que c'est quand même mieux que sur code postal Casalta. Donc je vais noter également ici le terme recherché et les résultats retournés. Quatrième, voilà. Donc ça, je peux l'expliquer pour dire par exemple que moi, ce qui est affiché en premier dans le titre, c'est Casalta. Et ensuite, code postal 20215. Et exactement, ce qui a été recherché, les termes qui ont été recherchés, ce sont Casalta, code postal. Donc là, on suit exactement l'ordre de mon titre. Donc c'est pour ça que je suis mieux classé que par rapport à la... Je suis cette fois-ci en quatrième position, donc c'est mieux que lors de la recherche code postal Casalta, où j'étais en huitième position. Donc pour terminer ces petits tests, je vais chercher cette fois-ci Casalta Postal Code. Et là, j'apparais aussi en deuxième position. Donc ça, c'est bien mon site. Je vais noter ces résultats ici. Donc là aussi, ça s'explique qu'on fait la recherche sur l'ordre Postal Code, qui est différent de code postal. Et comme mon site s'appelle Postal Code, il a en plus, il contient dans son titre Postal Code, il a plus de chances d'être dans les premiers résultats que sur code postal. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, on voit que là où je suis le mieux classé, c'est lorsqu'il y a Postal Code, donc soit Postal Code Casalta, soit Casalta Postal Code. Là, j'apparais en deuxième position avec toujours devant moi le site lecodepostal.com qui dans son titre donne code postal Casalta, Casalta code postal, code postal. Donc son titre est peut-être moins attirant pour les visiteurs, mais il est mieux que moi, donc je ne sais pas si je peux vraiment le comparer juste grâce à son titre et son contenu. Faudra peut-être aussi regarder l'ancienneté et le nombre de pages qui pointent vers ce site-là pour essayer de tirer des conclusions. Mais en gros, le résultat, même si je suis deuxième avec un site récent comme le mien, c'est plutôt bon sur ces mots-clés-là. Le problème, c'est que les visiteurs, les utilisateurs dans Google, ce qu'ils vont rechercher, c'est code postal Casalta et non Casalta postal code ou bien postal code Casalta. Ça n'a pas de sens d'écrire dans Google postal code lorsqu'on recherche un code postal.
Donc, moi j'ai déjà amélioré les choses en étant en quatrième position sur Casalta Code Postal et en huitième sur Code Postal Casalta. Je suis déjà en meilleure position qu'avant. C'est-à-dire que j'ai rajouté le terme code postal dans ma balise titre et je suis apparu en première page alors qu'avant j'étais très très loin dans les résultats. Il me semble que j'étais au-delà de 100 pages parce que je faisais le test sur le site positeo.com. Même avec un nom de ville, j'apparaissais au-delà des 100 pages. Donc c'est-à-dire que le fait que le mot-clé soit dans la balise titre est très important, en tout cas dans mon cas. Donc maintenant, pour essayer d'améliorer encore les choses, il va falloir que je fasse encore des modifications, c'est-à-dire de non pas indiquer Casalta code postal, mais cette fois-ci code postal Casalta. Et il faudra bien que je suive les résultats, les nouveaux résultats, donc la prise en compte par Google de ces changements de mes balises titres. Donc Google est toujours en train de référencer les différentes pages de mon site, donc il y en a vraiment beaucoup. Et donc comme on l'a vu, il a encore dans ses résultats des anciennes balises titres, il a dans ses résultats les nouvelles, et moi comme je vais faire une modification, il faudra que je regarde où est-ce que pour quelle ville de France ces nouvelles balises titres que je vais mettre en place ont été prises en compte, et que là aussi je fasse le petit comparatif en faisant mes différentes requêtes et voir ma position. Mais en gros là il faut vraiment que j'optimise ma balise titre pour matcher avec les requêtes des visiteurs et essayer d'apparaître dans les premiers résultats pour le terme, pour la recherche code postal et ensuite le nom d'une ville, si possible apparaître dans les trois premiers résultats et ensuite essayer de bien finaliser le tout pour avoir un site qui donne envie d'être visité et qui également donne envie d'être partagé sur les réseaux sociaux. Donc là il y a encore peut-être un petit travail à faire, mais bon, je suis déjà assez content d'apparaître en première page. C'est quand même une bonne réussite. Après je sais pas, faudrait que je compare avec d'autres villes, pas seulement la Corse, parce qu'il est possible aussi que les villages de Corse ne soient pas présent sur tous les sites qui fournissent des informations sur les codes postaux. Il va falloir que je fasse la petite vérification, mais déjà voilà pour la petite vidéo qui nous montre l'importance de la balise titre, donc l'importance de faire une balise titre différente pour chacune des pages de nos sites web, mais également de présenter dans ces balises titres les bons mots-clés et les bons mots-clés dans l'ordre. Donc j'espère que cet exemple vous aura été très intéressant, puis n'hésitez pas à partager aussi vos petites astuces dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et j'attends tout ça, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis salut.